Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire un maquillage à moins de 20 euros. Donc si vous n'avez pas trop les moyens de vous acheter du maquillage, je vous propose plein de petits produits que j'ai dénichés, soit pendant les soldes ou pas. Il y a des produits que j'ai achetés sur internet, d'autres en boutique. Donc voilà, c'est un peu pour tous les goûts on va dire. Il y a trois marques de produits dans cette vidéo, donc ELF, la marque de maquillage la moins chère sur le marché je pense. Il y a Réserve Naturelle et Kiko. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Bisous! C'est parti, donc je vais faire un maquillage complet des yeux, du teint et de la bouche. Donc je commence par appliquer une bébé crème de chez Réserve Naturelle. Elle coûte 5,95€ et je vais l'appliquer tout simplement au doigt sur tout mon visage et je vais un peu forcer sur les cernes et les imperfections pour faire comme si c'était du correcteur. Je passe maintenant aux yeux, je prends un duo de fard ELF à 1€ avec un pinceau biseauté de chez ELF toujours à 1€, donc on est maintenant à 7,95€. J'applique la couleur neutre, enfin la plus claire, sur toute la paupière mobile afin d'unifier ma paupière. Et après je vais prendre la couleur la plus foncée en coin externe et je vais venir estomper avec le pinceau. Maintenant je vais prendre un fard à paupières de chez Kiko qui est super lumineux, qui est le numéro 168, qui m'a coûté 1,95€ et je l'applique dans le coin interne de l'œil. Donc vous voyez la différence entre les deux yeux quand il n'y en a pas. Ensuite j'applique un crayon marron toujours de chez Kiko, donc c'est le numéro 802. Il m'a coûté 2,50€ et je vais l'appliquer pour souligner un peu mon regard. Et enfin j'applique un mascara marron de toujours de chez Kiko qui m'a coûté 3,90€. Pour ce prix là il fait vraiment des cils de fou, j'ai jamais vu un mascara aussi bien à ce prix là, donc je vous le conseille vraiment. Donc voilà pour les yeux. Je passe maintenant aux lèvres, donc je vais mettre un rouge à lèvres de chez Kiko qui est le numéro 11, qui est un très joli rose que je vais appliquer sur les lèvres et sur les joues en tant que blush. Voilà, le maquillage est terminé, j'ai réussi le challenge, je défie tous ceux qui veulent le faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Ciao!